بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 51 sur le cours de limite et continuité niveau bac 2 sciences math l'année scolaire 2022-2023. Soit f la fonction numérique définie par f de x est égal à la racine carrée de la valeur absolue de x moins la partie entière de x moins x. Petit 1, petit a, déterminé des deux f. Petit b, calculer limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Petit 2, soit k appartenant à z, étudier la continuité de f à gauche et à droite au point x0 est égal à k. Petit b, étudier la continuité de f sur l'intervalle k, k plus 1. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit 1, petit a, déterminons le domaine de définition de f, d de f. D de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que f de x existe. F de x existe, c'est la valeur absolue de x, moins la partie entière de x, est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, la partie entière de x, ici il n'y a pas de valeur absolue de x, c'est-à-dire, amktouba la valeur absolue de x, oui c'est ça, kaina la valeur absolue de x, c'est-à-dire que la valeur absolue de x est supérieure ou égale à la partie entière de x. Ou encore, la valeur absolue de i, la partie entière de x est inférieure ou égale à la valeur absolue de x. On sait que la partie entière de x, elle est comprise entre x moins 1 et x. Et vous savez bien que x, il est toujours inférieur ou égal à la partie la valeur absolue de x. Donc, la partie entière de x est inférieure ou égale à la valeur absolue de x, quel que soit x appartenant à R. Par conséquent, domaine de définition de notre fonction f, c'est tout l'ensemble R. Passons à l'autre question. Petit b. Calculons limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc soit x un élément qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. On a f de x qui est égal à la valeur absolue de, plutôt la racine carrée de la valeur absolue de x qui est égal à x moins la partie entière de x puis moins x car x est supérieur ou égal à 0. C'est pourquoi j'ai remplacé la valeur absolue de x par x. N'est-ce pas? On sait que x, il est compris entre la partie entière de x et la partie entière de x plus 1. Donc, x moins la partie entière de x est compris entre 0 et 1. Ceci implique que
La racine carrée de x moins la partie entière de x est aussi compris entre 0 et 1. Donc je retranche x de tous les membres, ça donne la racine carrée de x moins la partie entière de x moins x est compris entre moins x et x. Ah, j'ai retranché ici 1 moins x. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, si je prends l'intervalle ouvert, la partie entière ou bien f de x, f de x c'est cette partie-là. F de x, elle est inférieure strictement à 1 moins x. Et puisque limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins x, donc ça donne moins l'infini, alors limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini d'après une propriété qu'on a vue l'année précédente sur les limites et l'ordre, d'après la propriété sur les limites et l'ordre. Bon, on a vu l'année précédente, si vous avez f de x, et quel que soit x appartenant à un certain intervalle i, f de x est inférieur à g de x, et limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini, alors limite de f de x tend aussi vers, est égal à moins l'infini. C'est-à-dire f de x tend vers moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. F de x, une majoration, alors d'initial une majoration, ou la majoration de f de x liée à la fonction g de x qui est égale à 1 moins x qui tend vers moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Donc forcément, f de x va tendre vers moins l'infini. Maintenant, on va calculer limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Bon, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, on a f de x qui est égal à la valeur absolue de x, donc ça donne moins x, puisque x est négatif, moins la partie entière de x, puis moins x, car x est négatif. On sait que x moins la partie entière de x, il est positif. Si vous voulez, car x moins la partie entière de x, on l'a déjà démontré, il est compris entre 0 et 1. Donc x moins la partie entière de x est positif. Ceci implique que x moins la partie entière de x moins 2x est supérieur ou égal à 0 moins 2x. Bon, j'ai retranché moins 2x pour trouver moins x. À x moins 2x, il y a moins x. Ben, je t'attends la fonction du LA. Moins la partie entière de x est supérieur ou égal à moins 2x. Ceci implique que la racine carrée de moins x moins la partie entière de x il est supérieur ou égal à la racine carrée de moins 2x. Je sais que x il est négatif, donc moins 2x est positif, donc je peux mettre la racine carrée. Ceci implique que la partie entière, plutôt je m'excuse, la racine carrée
de moins x moins la partie entière de x, puis moins x, est supérieur ou égal à moins la racine carrée de moins 2x, puis moins x. Ceci implique que f de x est supérieur ou égal à ici moins x, je m'excuse, moins x. Est supérieur ou égal à la racine carrée de moins 2x moins x. On a limite quand x tend vers moins l'infini de la racine carrée de moins 2x moins x est égal à limite quand x tend vers moins l'infini, puis je factorise par x, ça donne x facteur 2, la racine carrée de moins 2 sur x moins 1. Quand x tend vers moins l'infini, moins 2 sur x, ça tend vers 0. 0 moins 1, c'est moins 1. Avec x qui tend vers moins l'infini, donc moins l'infini fois moins 1, c'est plus l'infini. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini, 0, f de x est supérieur ou égal à la racine carrée de moins 2x moins x, et limite quand x tend vers moins l'infini de la racine carrée, ici c'est moins x, la racine carrée de moins 2x moins x est égal à plus l'infini. Ceci implique que limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal. Regarde, vous avez ici une fonction f qui est minorée par cette fonction-là, liée à la racine carrée de moins 2x moins x. Et quand vous voyez que limite de la racine carrée de moins 2x moins x quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Ou f de x, dis-moi que vous m'avez dit. Ou dit ça tend vers plus l'infini. Donc forcément, f de x, ça tend vers plus l'infini, d'après la propriété qu'on a vue l'année dernière sur les limites et l'ordre. Bon, j'écris ici d'après la propriété sur les limites et l'ordre. Vous mettez mes livres, donc les propriétés de l'amélifèze. Les formes, l'ordre et limite, j'essaie de nous calculer les limites, surtout les limites qui font les parties entières. Les propriétés ou les formes trigonométriques, les formes sinus, le cosinus, la tangente, j'essaie de nous les propriétés pour nous les limites de certaines fonctions qui contiennent dans leurs expressions mathématiques la partie entière ou bien l'une des fonctions trigonométriques que vous connaissez. Petit 2, petit a, étudions la continuité de f à droite de k. Quel que soit x appartenant à l'intervalle k, k plus 1, la partie entière de x est égale à k. Alors, nous parlons de la droite de k. Les ou l'intervalle kk plus 1. On étudie la limite, bien sûr, ou bien la continuité de f à droite de k, donc on est très proche de k de sa droite. Donc, f de x est égal à la racine carrée de la partie entière de x moins k, moins e de x, c'est-à-dire moins k, puis moins x.
Maintenant, limite de f de x quand x tend vers k plus est égale limite de f de x quand x tend vers k plus. Je remplace f de x par la racine carrée de la partie entière de x moins k, puis moins x. Je peux remplacer maintenant x par k, ça donne la racine carrée de la valeur absolue de k, moins k, puis moins k. Et on a, je fais f de k, c'est, on va utiliser ce résultat, f de k, c'est la racine carrée de k, de la valeur absolue de k moins k, puis moins k. Donc, limite de f de x quand x tend vers k plus est égal à f de k. Cela veut dire que f, il est continu à droite de k. Par conséquent, f est continu à droite de k. Maintenant, on va chercher la continuité de f à gauche de k. Étudions. La continuité de f à gauche de a. Ici, on travaille dans l'intervalle, à gauche de k. On travaille dans l'intervalle k moins 1 k. Quel que soit x appartenant à l'intervalle k moins 1 k, alors voilà gauche le k, on a la partie entière de x, bien sûr ce sera k moins 1. Donc dans ce cas f de x est égal à la racine carrée de la valeur absolue de x moins la partie entière de x, c'est moins k plus 1. Puis moins x. N'est-ce pas? Limite quand x tend vers k moins de f de x est égal limite quand x tend vers k moins si c'est x de la racine carrée de la valeur absolue de x moins k plus 1, puis moins x. Et maintenant, je peux remplacer x par k, ça donne la racine carrée de la valeur absolue de k moins k plus 1, puis moins x. Plutôt moins k, je m'excuse, c'est moins k, parce que je dois remplacer x par k. Et comme f de k est égal à la racine carrée de la valeur absolue, la valeur absolue de k moins la partie entière de k, c'est k. Donc on a radin dire moins la partie entière de k moins k. Marach n'khdem hadi lianno hna f de x hna عندنا f de k. Idan hna la partie entière de x, puisque x appartient à l'intervalle k moins 1 k, batatina y a
K-1, voilà qui m'était quoi? F de K, la partie entière de K, il y a lui-même, c'est le nombre lui-même, parce que K appartenant à Z. Donc, Batatine a dit la valeur absolue, la racine carrée de la valeur absolue de K moins K, puis moins K qui se trouve à l'extérieur. Donc, comparer les deux résultats. Le résultat, on a. Donc, ces deux résultats sont différents. Moins k plus 1, tout simplement moins k. Donc, la limite de f de x quand x tend vers k moins, elle est différente de f de k. Cela veut dire que la fonction f n'est pas continue à gauche de k. Alors, limite de f de x quand x tend vers k moins, elle est différente de f de k. Par conséquent, F n'est pas continu. La fonction F n'est pas continue. Bien sûr, à gauche, n'est pas continue à gauche. Deux cas. Dernière question, on va étudier la continuité de f sur l'intervalle k, k plus 1. Quel que soit x appartient à cet intervalle k, k plus 1, la partie entière de x est égale à k. Donc, f de x est égal à la racine carrée de la valeur absolue de x moins k, puis moins x. J'ai remplacé tout simplement la partie entière de x par k. La fonction f1 qui a tout x, on associe son image liée à la valeur absolue de x moins k. Elle est continue sur l'intervalle, elle est continue sur R. En particulier, elle est continue sur l'intervalle kk plus 1. Elle est continue sur l'intervalle kk plus 1. Et elle a déjà continue sur R. رجعنا للانترفال ديالنا اللي خدامين فيه اللي هو كاكا بلس 1 et on sait que la valeur absolue de x moins k il est toujours supérieur ou égal à 0 quel que soit x appartenant à l'intervalle kaka plus 1 n'est-ce pas? Donc la fonction f2 qui a tout x, on associe la racine carrée de la valeur absolue de x moins k, elle est continue sur son domaine de définition, en particulier sur, est continue sur l'intervalle kk plus 1. Elle continue sur l'intervalle kk plus 1. La fonction que j'appelle F3 définie de la manière suivante, qui a tout x, on associe son image moins x, est continue, c'est une fonction polynôme, et elle continue sur R, en particulier sur l'intervalle kk plus 1. Et continue. Et continue sur l'intervalle
sur l'intervalle kk plus 1. Et comme la fonction f, c'est f2 rend f1 plus f3. La composée de deux fonctions continues est une fonction continue. La somme de deux fonctions continues est une fonction continue. Alors, f est continu sur l'intervalle k plus 1. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif du collège Bourzeitoun, Marrakech. À très bientôt.